Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission du Tac au Tac, l'interview décalée et spontanée qui vous fait découvrir les artistes, les humoristes et les entrepreneurs sous un nouveau jour. Dans cette interview, il y a une minute de questions-réponses, une minute de tu préfères et une minute d'autopromotion. Aujourd'hui, je me trouve avec Navi, jeune chanteur de 21 ans. Bonjour Navi. Bonjour. Tu vas bien ? Bah ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, alors je suis un chanteur, promeneur, musicien, rêveur. Est-ce que tu peux nous parler de ton caractère étant plus jeune ? Mon caractère étant plus jeune, lunaire, je sais pas si ça peut se dire. Mm-hmm. J'étais un peu ailleurs, mais ça m'a passé. Ton premier job, c'était quoi ? Mon premier job, j'ai ramassé des pommes. Mmh, voilà, je préfère faire de la musique, à choisir. Ok. Le déclic pour venir ici dans Paris, travailler là ? Le déclic, y en a eu beaucoup, mais je crois que c'est la musique en fait. La musique, ça te fait bouger et c'est vrai que d'une certaine manière, tout se passe à Paris. Et ta première scène à Paris ou ailleurs ? Ah, ma première scène, c'était pas du tout à Paris, c'était où ? À Nanteuil-les-Maux. Oh, je cherchais ça sur internet. J'avais 7 ans et j'ai joué devant 600 parents d'élèves. Est-ce que t'as des rituels avant de monter sur scène ? Des rituels ? Je bois beaucoup d'eau. C'est un peu bizarre. C'est pas du whisky. Hein. C'est pas du whisky. De toute façon, je le dirai pas devant une caméra. Non, on se check avec les musiciens et puis on se dit bon show les gars et en général ça se passe bien. Et si t'avais pu faire un autre métier ? Ça aurait été journaliste. Journaliste ou photographe, c'est des métiers qui m'ont intéressé. Par musique. Hanouna. Danse avec les loups. Qui ? Rap. Beyoncé. Booba. Christophe Maé. Nekfeu. Oh oui. Ah, Paris, Atta. Hey. Game of Thrones. Superman. Petit kebab, ouais. Les deux dans un gros sandwich. Blonde. Lave-vaisselle et... Après l'interview de Navi et la minute tu préfères, voici son instant promo. Alors messieurs, dames, retrouvez-moi en concert, un peu partout en France. Mais surtout à Paris, le 22 septembre, aux Étoiles, une petite salle du 10e arrondissement, où il y aura de la guitare, des sourires, de la basse, du piano. Plein de trucs comme ça. J'entraîne mon album qui s'appelle Tous ces données. Ça c'est l'instant promo. Ah non, c'est fini. Si, c'est encore la promo. Et sinon, dans ton salon, peut-être un jour. Mais d'ici là, en concert. Et à bientôt.